Nebrady, une multinationale américaine. C'est notre première participation au Maroc dans un salon. Donc on a choisi ce salon parce qu'il définissait exactement la clientèle qu'on ciblait. Quel type de salon est nécessaire? Ce salon, il rassemble sur un même plateau une multitude de métiers propres à la sécurité et à la sûreté. Il est bon d'en prendre connaissance. Ils ont leur raison d'être parce que le Maroc s'éveille à la sûreté. Il est en train de se former progressivement au métier de la sécurité et de la sûreté. Les salons sont importants. Ils permettent aux hommes de se rencontrer, de se connaître, de discuter, de communiquer. Je trouve que ce salon est vraiment intéressant, il est vraiment représentatif. Il y a tout ce qui concerne la sécurité dans le sens large du terme. Donc il y a en même temps, c'est l'adéquation entre la sûreté et la sécurité. Il y a tout ce qui est relatif à la sûreté, comme télésurveillance, comme anti-intrusion et tout, et tout ce qui concerne la sécurité, et surtout la sécurité au travail, la sécurité incendie. Voilà, donc c'est vrai que notre société Alliance BDI Maroc, implantée à Casablanca, a été très heureuse de pouvoir être présente cette année sur le salon. Donc l'organisation s'est très très bien passée, nous étions nous sommes très très contents d'être présents. Le salon a une très bonne organisation de la part donc, des personnes qui ont organisé. C'est vrai que ce salon nous a permis d'échanger beaucoup avec des professionnels comme les utilisateurs de nos systèmes. Ça nous a permis de prendre beaucoup de contacts et donc de présenter nos produits et nos nouveautés. Nous espérons que le salon l'année prochaine sera renouvelé. Le salon étant le premier dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la protection des biens et des personnes, et je pense essentiel et nécessaire ici au Maroc. Au vu du développement qu'il peut y avoir au niveau des entreprises, et notamment dans tout ce qui est la gestion des risques. Donc l'idée de ce salon, c'est d'avoir justement tous ces professionnels qui sont à disposition donc, des entreprises, des partenaires publics, également privés, pour la mise en œuvre donc, de toutes ces prestations spécialisées dans la formation professionnelle. Le salon marocain était pour nous vraiment un moyen de pouvoir apporter, déjà venir sur ce territoire et nous y présenter parce que nous avons vraiment un écho récurrent d'une demande croissante sur le territoire marocain qui s'industrialise et qui a besoin justement que les politiques de prévention suivent tant sur une partie réglementaire que sur la partie de l'organisation humaine des entreprises. Donc pour en venir au salon, nous sommes vraiment frappés par une qualité publique. Nous avons rencontré de nombreux acteurs, chefs de projet, direction sécurité, des grands groupes marocains qui sont venus ici nous rencontrer nos confrères. Et nous ambitionnons suite à ce salon de développer notre simple bureau de représentation que nous avons à Casablanca pour en faire une vraie agence marocaine et notamment accompagner les politiques de prévention des entreprises qu'on a rencontrées ici. Je suis directeur général de la société Hightech Security. C'est la première fois qu'on expose le salon.